Je suis née avec un handicap nommé syndrome d'alcoolisation fœtale ou SAF. Puisque j'ai des défis d'apprentissage, on m'a placée en classe d'adaptation scolaire au secondaire. On m'a donné la chance d'avoir plus d'attention de la part de mon enseignante. Madame Levac était extraordinaire. Elle m'a enseigné que même si je n'étais pas très douée pour certaines choses, comme les mathématiques ou lire l'heure, que j'étais bonne dans d'autres domaines, comme les arts. Elle m'a fait croire en moi. Elle nous a aussi impliqués dans d'autres activités à l'école et s'est entendue avec M. Denis, le concierge, pour que nous collections le recyclage chaque semaine. Un vendredi après-midi, nous étions dans une classe en train de faire notre collecte lorsqu'une fille a dit « Les rejets du recyclage arrivent! » M. Denis est allé immédiatement lui parler. Ben, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais le lundi suivant, elle est venue dans notre classe et s'est excusée devant nous tous. Ça a dû être difficile pour elle. Lorsqu'elle est partie, Mme Levac a remercié M. Denis de nous soutenir et lui a dit qu'il était notre ange gardien. À la soirée des Méritas, nous avons remis le tout premier prix, prix du concierge de l'année à M. Denis. C'est moi qui l'ai fait, à partir de matériaux recyclés. J'ai tellement appris de choses à l'école grâce aux extraordinaires adultes dans ma vie. Et il ne s'agit pas seulement de compter de l'argent ou de lire l'heure.